Kobekov, arrête de manger, je croyais que tu étais déjà en train de ranger. Ah. Allez, allez, lève-toi. La maison ne se nettoie pas toute seule après une grosse soirée. Nous allons avoir besoin de quelques heures ici. Au fait, où est Glenn? Je ne sais pas, je croyais que tu étais avec lui. Et dans les toilettes? J'ai pas compris. Il lance des feux d'artifice sans nous. Ça marche? Qu'est-ce que tu fais, Glenn? Et hop! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu lances des feux d'artifice sans tes amis? Mais c'est un vrai péché! Et regarder une chaîne sans s'abonner, c'est aussi un péché! Mais pourquoi vous n'êtes pas venu, quoi? Je vous l'avais dit, demain matin, je lance des feux d'artifice! Quand est-ce que tu nous as dit ça? Hier! Et je t'ai dit que demain matin, nous devions nettoyer la maison! Les gars! C'est aussi ta blague? Mais non, je te jure, mec! Ce sont des zombies! Et ils ont été attirés par tes feux d'artifice! Allez, on en reparlera une fois à la maison, hein, s'il vous plaît! Et bonjour à tous, je m'appelle Vlada 4, Kulent, Kubikov, et il semble que nous ayons été attaqués par des zombies! Ferme la porte! Ferme la porte, vite! Nous sommes attaqués par des zombies, et ils vont essayer d'entrer dans la maison, bien sûr, et manger nos cerveaux! Quelle est la première chose à faire? Faire des réserves de nourriture! Non, Kubikov, ferme toutes les fenêtres et les portes! Alors les gars, parcourez le rez-de-chaussée et fermez toutes les fenêtres, et rendez-vous dans le salon! C'est parti, c'est parti, c'est parti! Oh putain! De vrais zombies! Ils peuvent manger nos cerveaux, et on ne pourra plus jamais faire de vidéos! La porte! Merde, j'ai vraiment peur. Vous savez pourquoi? Parce que je suis malin. Ce qui veut dire que j'ai le cerveau le plus précieux. C'est moi qui suis le plus en danger. Il faut se serrer les coudes, je vais aller voir les gars. Oh, 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 oh. Ah bon, il faut se dépêcher. Oh, 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 n'importe quoi, une invasion de zombies. Alex, c'est vraiment cool que tu aies filmé tout ça. Saviez-vous qu'Alex nous filme 24 heures sur 24, même quand nous dormons, au cas où il nous arriverait quelque chose la nuit et qu'on aurions du bon contenu. Et là, c'est une invasion de zombies. Mais en fait, je n'ai pas vraiment peur. Je pense même que ça pourrait être cool comme contenu. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur les zombies et je connais beaucoup de trucs pour survivre à une apocalypse zombie. Et vous savez ce qui serait cool? Jouer à cache-cache contre des zombies. Bon, je vais aller vérifier là-bas maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? La porte! Dégage! Dégage! Oh, j'ai à peine réussi, quoi. Oh, regardez comment ils sont flippants, quoi, franchement. Tu sais qui se déteste plus que les insectes, quoi? Ce sont les zombies. Il est très difficile de se cacher d'eux, je vous assure. Et franchement, ils s'arrêtent pas, ils n'auront pas mangé ton cerveau, mec. Franchement, allez, on se gasse, je crois que toutes les portes sont fermées. Je cours rejoindre les gars. Vlados, qu'est-ce qu'on fait? Que faire? Que faire? Qu'est-ce que... Est-ce que toutes les fenêtres sont fermées? Ouais. Vous vous rendez compte que les fenêtres ne les retiendront pas longtemps, n'est-ce pas? Il faut préparer des pièges pour eux. Qu'est-ce que c'est alors? C'est pour Alex, un collier d'ail. Avec ce collier, ils vont pas te toucher, c'est sûr. Alors filme tout. Et nous aussi, on doit porter des perles, non? Les gars, il n'y avait assez d'ail dans la maison que pour un seul collier. Et qui garde tout un sac d'ail à la maison? Personne. Kubikov? Bah oui. Eh bien, nous sommes pas chez Kubikov. Mince. Alors d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Pas de plan précis. Chacun de nous doit compter sur lui-même. Les gars, soyez créatifs. Montrez toutes vos connaissances en défiant les zombies. L'essentiel est de les ralentir. J'ai déjà appelé les services d'urgence. Ils seront là dans 30 minutes. Alors les gars, il faut tenir au moins 30 minutes. Ça y est, on n'a plus le temps. C'est parti! Alex, le caméraman, je t'ai donné le collier d'ail et tu sais à quoi tu m'as fait penser. Regarde, tu es avec nous tout le temps. Tu prends toujours des risques pour toi et pour la caméra. Et tu tournes toujours jusqu'à la fin. Et tu sais quoi? Toi, Alex, le caméraman, personne ne t'a remercié pour ça. Je veux dire, toi et cette caméra-là. Cher abonné, je vous propose de faire quelque chose. Que tous les likes sous cette vidéo soient dédiés à Alex, le caméraman. Au meilleur caméraman du monde. C'est même rentable pour nous, les abonnés. Peut-être commencera-t-il à filmer encore mieux. Quoique, c'est probablement impossible. Alors faisons-le, et il en sera très content. Et même aujourd'hui, vous vous rendez compte, il devra marcher à côté des zombies. Ouh. Ok, bon, on continue, quoi. Bon,
Dans tous les films sur les zombies, vous avez beau les fuir, ils vous rattrapent tout le temps, quoi. Et voilà, c'est toujours... Je ne vais même pas compter les chances de m'enfuir, et je vais tout de suite me défendre, les mecs, ouais. Tout peut servir dans cette situation, quoi. La ceinture, c'est le jackpot, j'en aurais bien besoin, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des crayons? Des stylos? C'est pas trop utile, quoi. Non, qu'est-ce qu'il y a là? Des chaussures? Des chaussures? Mais non, les lacets sont très utiles, ouais. Ça peut servir, je vous assure, les mecs. Alors, les fixations sont déjà en place. J'ai une idée géniale, les mecs. Je peux utiliser ces bouteilles pour fabriquer des protège-jambes de footballeur. Et je peux faire un casque avec une casserole. Ça marche, quoi. Attends un peu, ouais. C'est un super bouclier, quoi. D'accord, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du scotch, c'est un super truc, quoi. Il pourrait nous sauver en cas d'apocalypse, les mecs. D'accord, c'est bon, commençons à nous préparer, quoi. Il reste très peu de temps, ouais. Alors, on passe à l'étayage, voilà, génial, quoi. Il va falloir maintenant l'attacher, quoi. Mais j'ai des lacets, ouais, j'ai un perforateur. Hop. Des protections, c'est bon. Maintenant, le bouclier, quoi. Je n'ai pas besoin de toutes les ceintures. Allez, on va la couper. Maintenant, le plus important, ce sont les montures. Eh bien, je pense que tout est prêt, quoi. On va tester, maintenant. Eh bien, écoutez, ça tient bien, non, quoi. Il ne reste plus. Allez, le casque, maintenant. Je suis sur la gueule. Je suis prêt. Voilà. Maintenant, j'ai plus peur des zombies à la con, quoi. Bon, il manque quelque chose, quoi, franchement. Mais mon torse n'est pas du tout protégé, quoi. Qu'est-ce qu'on a dans la cuisine, alors? Là, j'ai déjà regardé. Oh, c'est l'armure parfaite, regarde! Une à l'avant, une à l'arrière. Je fixe le tout avec les attaches. Et la défense est prête, eh ouais. Hoppa. Maintenant, ouais, j'ai vraiment l'air d'un con. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? D'accord, d'abord, il faut se calmer. Kobekov, calme-toi, calme-toi. Non, on va tous mourir, on va tous être bouffés! Non, ça ne marche pas. Oh, il faut utiliser l'artillerie lourde, d'accord. Quel est le meilleur moyen de me calmer? La nourriture, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a? Des éclairs, les éclairs me font du bien. Bon, il faut créer un piège. Qu'est-ce qu'on sait des zombies? Ils sont très maladroits et peuvent à peine marcher. Il faut donc trouver un moyen de leur barrer la route. Eh ben... Waouh, c'est ça, de l'huile de tournesol. Où est-ce qu'on l'a rangée? Ah, je l'ai trouvée. Ah, ça me servirait aussi. Regardez, on étale du papier sur le sol. Comme ça. Prenons de l'huile et versons-la sur le papier. Maintenant, si les zombies se faufilent dans la maison, ils vont sûrement glisser ici et cela les retiendra. Je vais rajouter un peu d'huile. Voilà une idée qui me vient à l'esprit. D'abord, il me faut un système d'alarme pour que je sois le premier à savoir qu'un zombie est entré dans la maison. Et regardez ce que je vais utiliser pour le construire. Tadam ! Des conserves ! Je vais sortir les olives d'ici, passer le fil de pêche dans les boîtes et je vais l'attacher à l'entrée. Et dès qu'un zombie entrera, je l'entendrai et je passerai au plan B. Allez ! Oh, c'est un mélange, ça. Tac, 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 tac. Oh, c'est parfait. Mettons-le dans chaque oreille. Oh, ça fait pas mal de bruit. C'est le système d'alarme. Allons l'installer. Alors, là... C'est fait. Il faut que je trouve quelque chose qui me permette non seulement de me défendre, mais aussi d'attaquer, quoi. Alors, attention, l'essentiel est de ne pas tomber dans son propre piège. Bon, alors, allons faire un deuxième piège. Oh, t'entends ça, Alex? On a dû oublier de fermer la cave, quoi? Merde! Eh les gars, les zombies sont dans le bâtiment! Alors, réfléchis. Bon... La super glue! J'ai trouvé de la super glue! Alors...
Hé, viens ici, le zombie. Viens ici, le zombie. Allez, allez, viens. Vas-y, allez, essaie de m'attraper. Ouais, essaye. Je t'ai eu. Oh, je t'ai eu. Oh, un zombie. Comment ça, les zombies sont déjà là, quoi? Comment on a pu oublier la cave? Merde, mais il y a une bonne nouvelle. J'ai trouvé un appareil photo qui peut faire des flashs, les mecs. Il peut aveugler les zombies. Mais maintenant, il faut trouver un endroit où me cacher, en fait. Oh, salut, qu'est-ce que t'en penses? Ça marche? Regarde! Merde, ça t'a des zombies. Qu'est-ce que je fais maintenant? Il y a un rez-de-chaussée ou quoi, là? Ah! Merde. Ok, les portes, alors toutes les portes doivent être fermées immédiatement. Oh, j'ai pas réalisé ce qui s'est passé, quoi. Elle a surgi si vite, la gonzesse. Je suppose que c'est le seul endroit sécurisé dans cette maison, maintenant. Et l'appareil photo a arrêté de marcher, en plus, quoi. Y a plus de cartouches, regarde. Donc, plus de flash pour moi, quoi. Bon, il me reste une dernière option, après tout. La meilleure défense, c'est l'attaque. Alors, comment désarmer un zombie, quoi? Alex, pourquoi tu ne parles pas? Aide-moi, merde. Alors, peut-être beaucoup d'eau, quoi. Non, les zombies ne sont pas flash, quoi. La crème ne convient pas non plus, hein. En gros, je n'ai plus d'autre option, en fait, quoi. Soit j'attrape le zombie dans un filet, soit le zombie, il va me bouffer, quoi. D'accord, maintenant, je vais lui trouver quelque chose pour le distraire. Réfléchis. Je crois qu'un canard, il va m'aider, quoi, ouais. D'accord, Alex, mec, nous allons essayer de le distraire en sortant tout doucement. Je crois que je l'entends, là. Reprends-toi, Clint. Alex, allez, on y va. Top le zombie, salope, ça y est, c'est fait, je t'ai eu, là. Les gars, je suis en train de me cacher derrière les plantes et j'entends que le zombie semble déjà bouger dans la pièce d'à côté. J'espère que mon piège fonctionnera et l'empêchera de sortir. Oh, mince, ça n'a pas marché. Merde, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, une voiture de course! On n'a pas encore ouvert les cadeaux et c'est peut-être juste pour moi. Je sais que les zombies sont stupides et peuvent être distraits par des objets en mouvement. D'accord. Alors, on l'allume. Vas-y, s'il te plaît. Je savais que les zombies sont bêtes et que je réussirais. Maintenant, je peux le suivre, le distraire avec la voiture et comme ça, il ne me remarquera pas. Les gars, j'ai une nouvelle idée. J'ai décidé de me cacher derrière le canapé. Et vous pourriez vous dire, eh bien Vlad, il est impossible de s'échapper de là-bas. Et c'est là qu'intervient l'idée géniale. Le morceau à 4 kits est diffusé. Et ce son peut rendre même un zombie. D'accord, c'est bon. J'espère que nous n'aurons pas à utiliser des mesures aussi sévères. Merde! Alex, va-t'en! Elle va me cramer! Et tu bouges pas, hein! J'appuie sur le bouton, bouge pas! Ne bouge pas, stop! D'accord, t'as bien cherché, toi! Et bonjour à tous, je m'appelle Vlad 4! Les gars! Ça a marché! Regardez ça! Aucune réaction! On se casse! Ça a marché! Et tant pis pour toi! Reste dans ce fourre-tout! Ça y est! Vas-y, viens là! Allez, stupide zombie! J'ai l'impression d'avoir été à la pêche au gros, quoi. J'ai mal au bras, quoi. Bon, c'est tout. Où sont les garçons? J'ai bloqué le mien dans le fourre-tout. Je l'ai attrapé avec un filet. Les gars, je viens de mettre là-bas la chanson Hello Kids en boucle. Et la voilà, Gulen Kebekov. Je pense que dans 10 heures, elle se transforme en humain. Et combien en avait-il? À mon avis... J'en ai attrapé une, moi. Et j'en ai attrapé un. Non, il y en a un autre, les gars. Je l'ai collé au sol. Allons voir. Venez ici. Regardez, il est collé au sol. C'est quoi ça? Il a mangé le gâteau. Il était en entier. Ok les gars, je pense que tous les zombies ont été neutralisés. Il nous reste 15 minutes avant l'arrivée des secours et je propose qu'on regarde YouTube. Je suis d'accord, c'est parti. En gros, nous sommes en sécurité. D'accord.
Je pense que nous sommes bien sortis, les gars. Ouais. Alors, qu'est-ce que YouTube nous propose aujourd'hui? Ah, comme d'habitude, nous. Non, eh bien, cette vidéo avec les boîtes, eh bien, c'est juste énorme. What? Et regarde ça, vu qu'il y a eu là. Et la maison en pain d'épices, vraiment. Qui a eu cette idée? Un génie? Le clown? Non, les gars, je regarde cette vidéo et vous savez, je ne veux plus de vidéos avec le clown. Ouais. Hé, les gars, c'est quoi? Les gars, les gars, dépêchez-vous! La porte! Oh, wow! Il est intelligent, celui-là! Et dispersant en nous et jouant à cache-cache avec ce zombie! Ouais! 1, 2, 3! Ah bon? Courir, cache. Alors, on n'a plus le temps, le zombie vient nous chercher! J'entends que Bieko a fait! Qu'est-ce que tu fais? Sors de là! C'est ma cave, allez, dégage! Allez, n'importe quoi ça! Glenn, ne partage pas, d'accord, je vais monter au premier étage. Très bien les gars, le plus important est de ne pas se cacher dans la pièce où les gars ont caché leurs zombies. Ça va être un peu délicat, non? Alors, où puis-je me cacher? Oh, j'ai eu peur! C'est toi qui m'as fait peur, qu'est-ce qu'il y a? Les toilettes! Non, je pense que le zombie va d'abord aller aux toilettes. Je vais voir ce qu'il y a dans cette partie de la maison. Veuillez apprécier cette porte à moitié transparente, on pourrait essayer de se cacher là, quoi. Pour être honnête, c'est toujours aussi flippant ici, là. Hey, qu'est-ce qu'il y a? Une sorte de placard? Ouais, je pense que c'est un endroit génial. Merde, c'est louche, Krubikov! Mais les zombies, ils sont bêtes! Et pourrait-on passer ces dernières minutes assis dans ce magnifique fauteuil massage? Non, faut bien que je me cache quand même! Je suis dans un vestiaire, quoi, regarde! Oh! Waouh! C'est un endroit plutôt sympa, il fait assez sombre, mais il est impossible de m'y cacher! Alors, le temps presse! Pendant que Vlad essaie de s'amuser, je vais me cacher dans ce placard! Ah, ouais! Krubikov est dans le placard! Il ne reste que 12 minutes avant l'arrivée des secours. J'espère que je suis en sécurité. Merde, le zombie doit être en train de monter. Dernière chance, peut-être faire semblant d'un oreiller. Et j'aime bien cette idée. Ah, ça, je le jette loin dans un placard, par exemple. Là, ici. Et ça, ici. Si je me cachais dans un placard, quoi, il y a de la place, là, regarde. Oh, ouais, regarde, moi, je sais pas quoi faire, j'ai aucune idée, les mecs. Bon. Et maintenant, je me transforme en oreiller. Eh bien les gars, je vous laisse ici. Ok, le corps semble très bien caché, il ne reste plus que la tête en fait. Je vais laisser une petite couche ici pour voir qui se balade là, voilà. Enfin, je ne sais pas comment ça s'est passé parce que je ne peux vous voir à l'extérieur en fait, mais je crois que je suis bien caché. Il commence à faire super chaud, mais nous devons attendre l'arrivée des secouristes les mecs. D'accord, j'attends la longue. Je l'entends, il est déjà là. Merde! Il est tout prêt. Il est tout devant. Ah, je vais te bouffer, mon gros, et tu vas voir. Et vous trouvez, mais plus beaucoup de temps, vraiment. Quelqu'un arrive là?
Il est là, tout près, les gars. C'est pas... Je sens son odeur. Combien Kof, tu t'es fait attraper toi aussi? Ouais. Comment t'as trouvé? Où étais-tu en fait? J'étais dans le placard. Et lui, il est meilleur que moi. Il est parti. Oh, je plaisantais, tu n'es pas plus... Il en reste qu'un seul, le dernier. Qu'est-ce que c'était, les gars? Vous avez vu ça? Je crois qu'il m'a pas trouvé. Il reste encore un peu de temps avant l'arrivée des secours. Et je dois me cacher. Deux, c'est pas grave, c'est bien. On va les bouffer. Qu'est-ce que vous foutez là? Libérez-vous pendant qu'il est évanoui! Vite! Ah. Quittons vite cette maison! Tout de suite! Allons-y! Ah. Allez, 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 allez! La porte! Fermez la porte, bordel! Alors les gars, qu'en pensez-vous de cette vidéo? J'ai trop peur! C'est la folie, quoi. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment cool! Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez-nous en mettant vos likes! Nous avons pris un risque pour le contenu! C'était donc moi, je m'appelle Vlada 4, Gulent Kabikov, on se sauve! Gulent Kabikov, Gulent Vlad Papier! Gulent Kabikov, Gulent Vlad Papier! Et vous avez tout zappé comme un vol, mon lambeau!